Alors, on a fait beaucoup de jeux autour du dribble, de la passe, du partage, parce que c'est un sport collectif. Donc, c'est voilà sur quoi on a appuyé, sur le tir aussi. Après, avec les plus petits, c'était compliqué, mais plein de jeux autour de ça. Donc, qui découvre l'activité, qui s'amuse, le plus important, qui soit toujours en activité et qui découvre tous les fondamentaux du basket, le tir, la passe, le dribble, etc. Donc, voilà. Quand ils étaient trop petits pour tirer, on s'est adapté. On a pris des trucs de volley pour s'adapter, pour faire des petits paniers. On a fait beaucoup de jeux en dribble, des jeux de passe, etc. Donc, on s'est adapté, puis ça passe bien. Hein, voilà, ils se sont amusés quand même. Oui, ça va, c'est un nouveau public qu'on n'a pas forcément l'habitude d'avoir. Et c'est mignon, ils apprennent, ils sont actifs. Donc, ça, c'est bien. C'est quelque chose de positif. C'est ça, le partage, partager, on réussira jamais tout seul. Donc c'est quelque chose qu'on leur a enseigné, les passes vers l'avant, les passes jamais jouer toute seule. Donc voilà, c'est sur quelque chose qu'on a insisté. Donc j'espère qu'ils auront retenu ça.